Salut, c'est le caméléon. Je suis beau gosse, hein. Non, sans déconner. Bonjour ou bonsoir à tous et... Oh, j'avais pas fait gaffe à mon nouveau sabre laser. On dirait plus une épée qu'un sabre laser. Bon, je me présente, caméléon, dans The Star Wars The Old Republic, en tant que consulaire. Alors, il y a une petite nouveauté que je viens de découvrir. Depuis que je suis niveau 10, j'ai le droit d'avoir une aptitude de combat. Tadam ! Aptitude de combat, choix de classe avancée. Alors, il y a deux possibilités. Il y a érudit Jedi et ombre Jedi. Le ombre Jedi, c'est infiltration, sérénité, mais surtout, combat, un gros tank. Je vais... Non, on va éviter cette blague. Par contre, érudit, c'est... Ouais, télékinésie, équilibre et protection. Ce qui veut dire que je peux me soigner tout seul sans utiliser des medipacks. Oui, mais bon... En fait, j'hésite. J'hésite. Ombre Jedi, ça m'irait bien. J'aurais un double laser. Double sabre laser. Mais j'ai du mal à me soigner, j'aurais bien aimé être érudit Jedi pour me soigner automatiquement lors des combats, etc. Mais en y repensant, si j'ai un compagnon qui se fera dans peu de temps, je pourrais le mettre en mode soin pour qu'il me soigne durant mes combats. S'il y a des joueurs beaucoup plus puissants que moi, s'il y a des joueurs, des combattants plus puissants que moi, je pourrais pas faire le poids. Mais le fait d'envoyer directement mon compagnon, je pourrais soigner à sa place. Et ce serait lui qui va se faire poutrer la gueule. Donc ce sera un choix que je devrais y réfléchir. Mais bon, oula, oula. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'y suis déjà allé là-bas. Et territoire des déchiqueteurs. D'accord, c'est là auquel j'ai rendez-vous avec le déchiqueteur. Espérant que ce déchiqueteur ait la force en lui et qu'il puisse comment dire, être accepté et être du bon côté durant son parcours. Sinon, le pauvre. En même temps, on pourrait même pas aider ces pauvres déchiqueteurs qui ont sans doute besoin d'aide. Salutations. Vous avez accès aux itinéraires suivants. C'est parti. Bah, j'ai pas fait gaffe combien de crédits j'ai aussi. Ah ouais. Ça peut pas aller. Objet de mission. L'amulette. La poignée de la première lame. Transport héroïque. Il aucun risque à fouiller des ruines sites. Je veux y avoir des pierres. Les premiers colons de Titon ne connaissaient que la force. Certains ont exploré le côté lumineux, d'autres le côté obscur. Les Jedi et les Sith n'existaient pas encore. Mais le côté obscur est présent, maître. Je le sens. C'est pourquoi nous nous entraînons ici, parmi nos amis. D'accord. Alors, je vais acheter un peu de Medipack. Et c'était quoi, Medipack? Décrivez vos symptômes. Alors, secondaire... Tac. Bon, j'en prends encore deux. Et je vais en prendre un basique. Ou même deux. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert le reste, mais je verrai ça plus tard. Service. Regagnez votre poste. Mais bon, ça va, ta ferraille. Tu vas pas me commander. Ouais. Où est-ce que je dois aller pour le déchiqueteur? D'accord. Je dois suivre ce chemin qui est en haut. Couchez cette bête. Dis donc. Et...
Ça, c'était de l'embuscade. Ah, une nouvelle découverte pour moi. C'est bon, tu finis, ça suffit avec cette musique, vaillante. Et... Ouais, elle est mignonne. Bon, bref. Où est-ce qu'ils sont? Peut-être là. Voilà leur corps. Faut que je me colle. Encore le bâton pour... Jedi, vous êtes venu. Jedi, parlez. Apprendre pouvoir. Que s'est-il passé au temple? Les maîtres ont dit quoi? Dites-lui. Jedi, parlez. Oh. Oui, ça va, ça va. Personnellement, vous serez utile. Vous apprendrez à utiliser le pouvoir à bon escient. Vous aurez la maîtrise de la force et de vous-même. Vous entendez ça? Vous avez ce que vous vouliez. Le pouvoir de la chasse, le pouvoir des Jedi, les pierres, tout. D'abord, chassez Jedi. Chassez Jedi chasseur. Chassez pierre. Il veut dire que vous pouvez chasser tout ce qui lui appartient. Les autres déchiqueteurs, moi, et il s'en va. Prie Jedi. Chasse Jedi. Je ne pensais pas que vous le feriez. Vous l'avez aidé. Vous m'avez sauvé. Je sais rentrer au village. Ce n'est pas très difficile depuis ici. Ok. Ok. Ça, c'est pour finir la quête annexe. Mais il faut que j'aille là-bas. Donc, c'est loin. Je verrai ça peut-être en retour. Allez. Rendons-nous dans les bois tant que les loups. Non, il n'y a pas de loup ici. Non. On va laisser tomber. Oh. C'est une sacrée map en même temps. Et il y en a encore en bas. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. Je vais pouvoir rentrer sans doute dans les ruines de Galette. On va faire le chambre de la. Oula, oula, oula. Désolé, les manips. Hop là. Ah oui, c'est vrai, il y a les tas de ferrailles. Je peux pas les contourner. On va essayer. Et voilà. quel feignant je suis. Hop. Ça, on s'en fout. Ça. Ça, c'est inoffensif. Alors, j'en ai un droit devant moi. Ah, il y a quelqu'un qui fait du ménage. Wow. Désolé, je vais vous embêter. Voilà. Tout ne sert à rien. Toi,
Bon, comment je fais pour aller derrière? Non, ça m'étonnerait que je puisse passer par là. Je suis obligé de passer par l'entrée. Je fais que passer les tas de boulons. Même si je suis 50% à tas de boulons aussi. Rajivari est mort. Le conseil a survécu. Nous avons échoué. Ils vont venir après nous. Ils devront nous assiéger pour nous capturer. Nous n'abandonnerons pas. Le cinquième principe de Maître Rajivari dit que la clémence envers un ennemi crée une spirale destructrice. Nous emporterons de nombreux Jedi avec nous. Ok. On pourrait dire que c'était des Jedi déchus. Là-bas. Ouais, il y a des tas de boulons là-bas. C'est parti. D'accord. Et voilà. Allez, j'en ai eu deux pour le prix là. D'accord, il est pas ici. Il doit être en haut. Génial. Comment je fais pour aller en haut? T'arrêtes tes conneries toi? Non mais oh. Ok, bon. Ah d'accord, je le vois. Tiens, on prend ça. Comment je fais? On va essayer de grimper alors. Oh voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça en dit plus ça? Oh, d'accord. Encore un Jedi aujourd'hui, mon septième. Maître Rajivari a constitué une armée avec les alliés qu'il a trouvés derrière les montagnes. Ils nous seraient très utiles maintenant. Mais ils ont disparu. Ils ont juste déserté. Ces cannibales et leur campement stupide. Le deuxième principe de Maître Rajivari dit que la vie est un combat jusqu'à son dernier souffle. Mais nos alliés ne nous ont pas laissé le choix. Ok. À mon avis, ça doit parler un peu des déchiqueteurs, s'ils ont pas du tout évolué au fil des années. Alors, le dernier est droit devant. Hop, j'ai oublié un loot. Oh, d'accord.
donc. Ah ouais, d'accord. Pourquoi mon maître me proposerait-il une épreuve insurmontable ? Vous avez besoin d'aide ? Il y a un souci ? Oh, vous m'avez fait peur. Je ne vous ai pas vu arriver. Mon maître m'a dit qu'il y a des matériaux de valeur derrière ce rocher. Mais figurez-vous que c'est impossible de déplacer ce fichu truc. On m'a donné l'ordre de rejoindre une plateforme dans les décombres, de méditer et de laisser la force me rendre fort. J'ai médité jusqu'à en avoir des vertiges, mais sans résultat. Bah, ne baisse pas les bras, voyons. Vous devriez peut-être réessayer. Ah, vous ne savez pas depuis combien de temps j'essaie. Alors je vais être chassé de l'ordre parce que je n'arrive pas à déplacer un rocher qui ne peut pas l'être? C'est ridicule. Et si... Vous pourriez peut-être m'aider. Vous êtes doué pour ce truc de méditation? Bah, c'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas, mais je veux bien essayer. Oh, merci. Vous me sauvez la vie. Alors, agenouillez-vous devant l'autel. Normalement, si vous trouvez la paix intérieure, vous pourrez faire bouger le rocher. Si vous échouez, je pourrai dire à mon maître que je ne suis pas le seul à ne pas avoir pu le faire bouger. Dans les deux cas, t'es à peu près gagnant-gagnant. Bon, on va méditer. Et... Oups, désolé. Ah bah, j'ai rien ici. Ouais. Procède à ta face, Kevin. Vous avez réussi. Je ne sais pas si je dois avoir honte de ne pas avoir pu le faire ou si je dois être content que ma mission soit remplie. Il devait y avoir quelque chose d'important derrière ce rocher. On dirait que non. Alors on doit continuer à chercher. Mais... Iniki. Maître Quilljack. Ah oh. Que faites-vous là? Ah d'accord. Manchi doti puna puna. Kabuk nuni snemo. Kunta chuta. Kasuyali kulira. Tanki kum. Mais, maître, ce n'est pas ma faute. Je n'ai demandé l'aide de personne. J'ai essayé de refuser. Désolé. C'est tout simplement faux, maître Quilljack. Kunamo, uban chone alipa, istin goto. Monki atacha kapa tonka, jisa picha. Ah, le pauvre. J'aurais bien aimé l'aider. Togi kumpa, jiji no liamake jisa. Vous, tout est votre faute. Vous avez ruiné mes chances. Kunamo, uban chone alipa, istin goto. Ah, il devait lutter contre le doute. En vérité, vous l'avez forcé à se battre contre lui-même. Handi kwa haikuma, manchi doti puna puna, kabuk nuni snemo. Oka kiza spida perupa, kadwa shiniko higa danulia. Je suis fier. C'est un honneur. Tusta barawanga, ne subul kobo pomo? Oui. Oui, maître. Imache, churon chika chiliska chanaga. Désolé, gamin. En même temps, il a pas tort, hein. T'as fait une sacrée connerie hein, en essayant de m'appeler. J'espère qu'il aura de meilleures chances aux archives. Alors, qu'est-ce que ça peut en dire?
Ça n'arrête pas de saigner. Oh bon sang, pourquoi est-ce que j'ai couvert Vadriya? Le septième principe de Maître Rajivari disait ceci. Sacrifier sa force et la voix de la folie. J'aurais dû la laisser mourir. Peu importe. Le siège est presque terminé. Il n'y a qu'une seule issue possible. La mort. Bien sûr. Bon. Destination, tant que Jedi. Mais j'aimerais bien aller à Calais d'abord. Je peux retourner là-bas. Pauvre Flingeld. J'aurais bien aimé mentir, mais bon. Ce serait passer du côté obscur. Dernier pensant, c'est un peu salaud. Dans les deux cas, j'aurais pu lui en venir en aide. Mais bon. Jedi, vous avez trouvé mon fils. Merci. Il m'a dit ce que vous avez fait. Il ne craint plus rien maintenant. Je suis contente que celui qui l'a enlevé soit avec vos maîtres. Espérons que ça marchera. J'espère que le Conseil Jedi saura s'occuper de lui. À mon avis, il sera un élève difficile. Les déchiqueteurs ne nous feront plus aucun mal. Ça suffit. Je vous le promets. Quand les anciens parleront des Jedi, je parlerai moi aussi. Mon fils parlera. C'est notre façon de vous remercier. Ça vous donnera d'autres choses. Avec le temps, les Jedi et votre peuple deviendront peut-être des alliés. Des alliés sur Titon et des alliés contre les déchiqueteurs. Bonne chance, Jedi. Au revoir et encore merci. Y a pas de quoi. Ah, d'accord. Non. Désolé. Ma récompense. Hein? Non. Non, vous voulez pas. Putain. Vio sera content de savoir que vous allez bien. Merde. Ah, merde, tant pis. Tant pis pour moi. J'aurais peut-être dû faire le vide. Non, c'est pas lui. Commerçant. Veuillez patienter. Examen et recherche de produits en cours. Je vais vendre. Ça aussi. Oh bah j'ai fait un peu de ménage. Apte service. Regagnez votre poste. Oui bon ça va. Donc je vais voir. Ce que c'est, mais bon. Salutations. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Allez, retournons vite au temple. On va pour le mec qui
informer quelques petits trucs. Et aussi, il faudra que... je vois deux, trois petites choses pour la petite quête annexe de héroïque plus 2. Ah, vivement que j'aurai une monture, parce que là, ça commence à être pénible pour moi. Et j'espère que le déchiqueteur va bien être accepté, le pauvre. Ok, il n'y a rien d'autre. Oui, c'est vide dans mes vidéos, je peux pas faire du montage quand je peux rien dire. Bon, les infos. Aïe, Sensei. Maître Yuan, j'ai les indices qu'il nous faut. Oh, Padawan. Déjà de retour? Quels indices as-tu trouvé? Les terminaux contenaient les dernières paroles des apprentis de Rajivari. Alors, les Jedi ont assiégé Khaled quand Rajivari a essayé d'anéantir le Conseil. Et ses apprentis ont tenu bon. Remarquable. Et maintenant, maître? Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce qu'on peut passer au puits de Rajivari? Oui. Et quand Kaizen nous rapportera la dernière coordonnée, tu pourras... Attends. Où est Kaizen? Cela fait... combien de temps est-ce que j'ai travaillé? Je devrais partir à la recherche de Kaizen pour m'assurer qu'il va bien. Il a parlé des grottes de la cascade, n'est-ce pas? Si Kaizen a trouvé la dernière coordonnée, tu pourras trianguler le puits de Rajivari. Il n'y a pas de temps à perdre, Padawan. Va. Et que la force soit avec vous deux. Espérons qu'ils sont en vie. Là. Ah bah voilà. Develop. Ouais. Encore, oui! Bon, en tout cas, il faut sauver le lézard. Et j'ai... quoi? C'est quoi ça? Laissez passer pour la flotte. Ouais, ça je m'en fous. Et c'est quoi l'autre? Ah, économiser le point speeder. Éteignez le niveau 10. Apprendre à piloter les speeders et d'autres véhicules terrestres. Sans abonnement, peuvent apprendre à piloter des speeders à partir du niveau 20. Mais quelle bande d'enfoirés! Oh la vache! Je crois que ça va coûter cher! Il y a d'autres quêtes annexes, je vais les faire quand même. Et putain, faut que j'attende 9 niveaux pour avoir un speeder. Oh là là. Mais vous allez me dire, hé, hey, comment tu pourrais t'abonner pour avoir directement un speeder? Non, je dépenserai pas mon fric pour ça. Bon, il faut que j'aille à la grotte de la cascade. Mais, je dois faire un tour là-bas. Ça, ça va me faire chier. Bon, je vais continuer la quête principale et après je verrai, je dis bien, je verrai pour la petite quête annexe qui se trouve dans les anciens temples de Rajivarik. Salutations. Allez. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Allez-y. Faites attention à vous. J'ai
comme on la serait jamais en tout cas. Ok, je suis arrivé à destination. Vous pourrez me dire que je devrais aller directement faire cette petite quête annexe. Mais je suis quand même proche de la quête principale. Donc je vais y aller. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça, merde. Hein, le con. Merde. J'ai pas fait gaffe que je me suis fait défoncer. Ma première mort en tant que Jedi consulaire. Bon bah, y'a bien goûté à tout. Je suis mourant. Voilà. Merde. Hey, ils m'ont défoncé. Là, on va pas dire que leur force avec eux, mais bon. Oh la vache, ils m'ont mis dans la gueule. Il y en a d'autres. Ok. Non, ça gagne. Je suis vraiment désolé, les mecs. Désolé, les mecs.
Ah, je l'ai plein un peu, c'est cela. D'accord. Bandai! Oh, merde. Ah mais ils sont balèzes. Si ça va, je sais comment ça marche. Point de départ de la zone. Ah d'accord. Chut, putain. Ah. J'attends quelques secondes pour avoir ma sonde médicale. Il en reste 4. Ah. Allez, défibrillateur. Merci. Oh la vache. Ok. Des trois qui étaient plus balèzes que les autres. Ah putain. Bon, excusez-moi. Ah la vache. Ça doit vous faire rire. Me voir mourir comme ça. Bande de pervers. Voilà. Tout va bien d'abord. Est-ce que Nalon t'a blessé? Je peux essayer de te soigner. Tu es encore une personne, Grisen, avec ou sans poing. Kaizen, Maître Yuan est resté au temple Jedi pendant des heures. Nalon a dû utiliser la force pour te faire croire qu'il était Yuan. Il le trouvera. Mais pour entrer sans encombre, sans les informations que j'ai amassées, ce sera une autre histoire. J'aime bien ça. Et voilà. Ça y est, mon premier partenaire. Yes!
Bah, je vais le laisser en soin. On sait jamais. Ouais. Ouais. Ça va. Je... Ok. Lui et moi, c'est pour la vie. Ou peut-être pas. En tout cas, ça fait plaisir de voir que mon bon vieux lézard va bien. Et ouais, c'est là-bas qu'on va le retrouver. Pour ça, faut sortir d'ici. Allez, mon lézard. On va y aller. Hop, là. Je voudrais vous dire une chose. Je suis pas très lézard, mais lui, c'est mon pote. Et vous, mais vous... êtes en train de vous demander et pourquoi tu parles de lézards. Disons que il y a un jeu auquel je déteste les lézards. Vraiment. C'est pas sur Skyrim, malheureusement. Utile celui-là. Et voilà. Oh, vous m'avez tout sauté. Merci. Oula, il y a des bugs un peu partout. Et voilà. Philippe, où est-ce que tu te caches, petit fils de pute? Désolé, j'ai oublié de la faire. Ah merde. Y'a rien. Si. Le bon côté, c'est que avec lui, je pourrais facilement me faire soigner, mais aussi pouvoir. Avoir plus de chance. Docteur! Décrivez vos symptômes. Voilà. Ouais, on est fou. Voilà. Havre de service. Regagnez votre poste. Okay, ça va. Comme on est fou, on va y aller. Voilà. C'est quoi cette texture? Quoi? Punaise! Comment il m'a défoncé? Enfin, plutôt éjecté. Oh la vache. Ouais, on a vraiment un problème de texture là. C'est quoi ça? Ouais, ça, d'accord. La quête, il est là-bas. Oh putain! Il y a eu une sacrée bagarre ici. Il y a des siècles. Ah, punaise, déjà! J'ai pas fait gaffe à l'heure. Thank you.
drôle aussi, ils sont tous morts. Et c'est pas mal à gaffe. Ça fait très Skyrim. Et encore. Ah d'accord, une autre mission. Buter des chemins de cheater. Aïe. Ouais, je sais, je connais mes références. Bien, c'est... Ok, on va passer par là. Mais donc, mal entretenu ici. Ah, question d'histoire, d'histoire. Oula, t'as un problème de texture aussi. Stop, chercheur. Vous arrivez ici non purifié. C'est une insulte à la mémoire de Rajivari. Les apprentis de Rajivari étaient imparfaits. Mais ils ont traversé le feu et sont nés une seconde fois. Seul un sacrifice personnel peut montrer votre force et votre volonté, chercheur. Voulez-vous être purifié par le feu ? Sacrifice est une folie ? Non. Comment le sacrifice de ma force peut-il me rendre plus puissant ? Alors, vous avez été guidé par les enseignements de Maître Rajivari. Avancez, chercheur. Wow. Désolé si tu désapprouves tout ça, mais bon... C'est quoi la quête ? Examiner le puits de... On y est là ? Voilà. Oh, bah tiens. Vous ! Alors vous ! Vous avez réussi, finalement. J'espérais que votre tête servirait de trophée à Nalon à l'heure qu'il est. Je suis venu ici pour prouver ma valeur. Et à Nalon. Mais les pièges, peu importe. Vous êtes un ennemi. Si je peux encore tenir une lame, je peux vous frapper en plein cœur. On ne peut ignorer la souffrance d'aucun être vivant. La clémence crée une spirale destructrice. Vous n'avez rien à faire ici. Non mais... Ah non mais... Votre Karine, ignorance arrête. Vous dévorera. Mais... Chaque chose en son temps. Wow. Ok. Wow. Qu'est-ce qui se passe ? Sculpture de pierre. Ah mais Karine, pas de d'image porno. Pas maintenant. C'est ça des Morhalgas, Bakhagas, Gulksasek, Autrofels Kujek. Oh. Il doit y avoir un interrupteur. Ou un levier quelque part. Oh non. Oh. Ouf. J'ai dormi combien de temps ? Oh la vache. On pourrait pas dire que je m'en suis pas pris plein la gueule là. Oh putain.
Je vous le dis tout de suite, ça pue. Bien sûr, voici l'autre. Les chercheurs du savoir interdit ont toujours leur poursuivant. Si tu es ici pour Nalon Malok, il est venu et reparti. Les choses disparaissent si vite. Mais je suis toujours là, toujours le même homme. Rajivari. Vous ne pouvez pas être vivant. Le Conseil vous a abattu il y a des milliers d'années. Ça, c'est sûr. Ton animal est plus malin qu'il ne paraît. Quand mon corps m'a abandonné, j'ai refusé de ne faire qu'un avec la Force. Comment pouvais-je ? Les Jedi étaient toujours imparfaits. Ici, dans mon laboratoire, j'ai perfectionné certains dispositifs. Je pouvais donner à un apprenti des décennies d'expérience en un jour, un apprenti digne de transmettre ma vision. Une minute, c'est fou ! Votre sagesse et votre savoir ont été préservés à travers vous et ces dispositifs que vous avez créés. J'ai attendu de nouveaux acolytes. J'ai cru que Nalon Malok était un candidat convenable. Mais quelle déception. Nalon s'est engouffré dans les pièges plutôt que de les éviter. Il a beaucoup souffert. Toi au moins, tu as survécu sans que ton esprit en souffre, contrairement à Nalon, hélas. C'était différent, ça. Je sais que les connaissances qu'il rassemblait lui torturaient déjà l'esprit. Je me suis trompé. L'esprit de Nalon n'était pas à la hauteur de la sagesse qu'il exigeait. N'en est pas fait un successeur, mais un monstre. Oh. Nalon ne fera pas renaître les Jedi. Il veut les détruire, ainsi que toute cette planète, à commencer par la Forge, où sont fabriqués les sabres laser. De quoi ? Sans la Forge, les Jedi perdent leur pouvoir militaire. Tu dois arrêter Nalon avant qu'il ne la détruise. Mais attendez, c'est pas ce que vous vouliez ? Je croyais que vous vouliez détruire les Jedi. Vous avez attaqué le Conseil. Je voulais les purger, faire renaître l'ordre. Nalon ne désire que la destruction. Cette arme ne suffira pas contre Nalon. Mais tu portes la poignée de la première lame, une vieille amie. Il suffirait d'un procédé simple pour en faire un sabre laser et peut-être d'un cristal des grottes de la Forge pour l'alimenter, étant donné son âge. Merci pour le conseil. Merci pour vos conseils, Maître Rajivari. Traverse les grottes. Tu trouveras la Forge au sommet de la montagne. Arrête Nalon, cette abomination que mon savoir a créée. S'il faut le faire. Je comprends les enjeux et ce que vous avez fait. Je le retrouverai. Va, arrête Nalon avant qu'il ne détruise l'Ordre Jedi. Un jour, j'assisterai à sa renaissance. Waouh, d'accord. Pépin là. D'ailleurs, en rebondissement, ça y va là. Rajivari, qui est en fait un gentil, bah. Oui et non, mais bon. Eh oh toi, attrape ça.
j'ai raté une quête annexe. Merde. Ah, merde. Parfois on fait des erreurs, mais là, je crois qu'elle était énorme. J'ai trop précipité les choses. Génial. Retourne à la surface. Hop là. Non, je veux pas te battre. Et Ah bah merde. Là. Raté. Lui. Dans un instant, moi je vais essayer de m'échapper. Vraiment, pourquoi je peux pas accepter ça? C'est pas normal. Ah, d'accord, je dois choisir l'un d'entre eux. Désolé, je comprenais pas de quoi ça servait, mais bon. Et donc ici? Ici aussi? Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas... Là, en tout cas, je suis à 100% sur la map. Par contre, sur mes quêtes annexes, non, pas à 100%. Et je vois leur tourner, donc je vais m'arrêter ici. Donc, ça fait un plaisir de vous montrer la quatrième épisode de Star Wars The Old Republic avec Caméléon en consulaire. Et je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes. Et peut-être la semaine prochaine, qui sait. Enfin bref, je vous dis ciao et à la prochaine.